Salut à tous les amis et bienvenue dans ce Avez-vous déjà vu spécial Assassin's Creed Black Flag. Et oui, ça y est, on rentre dans la piraterie, les bateaux. Oui, on va en mer. Non, en fait, j'avais pas tout de suite prévu qu'on aille en mer. On devait d'abord aller en ville. Ah mais on va pas faire de bateau en fait. Si, on va faire du bateau mais après. Allez, on rentre. Enfin bref les amis, on joue Edward Kenway, un pirate qui finalement se retrouve chez les assassins à lutter fort heureusement contre les Templiers ennemis de notre... Pourquoi tu les as tués, eux? Ah bah tu m'as dit d'être un assassin, moi j'assassine. Oui mais les Templiers, pas eux, putain. Et puis, étant un grand fan d'Assassin's Creed, je peux pas commencer cet épisode sans vous parler du saut de la foi. Vous savez, ce fameux saut où t'atterris directement dans une botte de foin. Mais bon, on est d'accord pour s'accorder que c'est totalement impossible. Non mais attends, t'as déjà vu un mec qui saute de 20 mètres de haut à peu près, en moyenne, et qui atterrit dans une botte de foin qui fait moins d'un mètre de profondeur sans rien se casser? Le mec est vivant, c'est normal. Non mais il croit vraiment au Père Noël, je crois. En vrai, le saut, il se passe plutôt comme ça. Tu sautes et tu t'écrases comme une grosse... Enfin, voilà. T'es mort, quoi. Bon, il faut dire que toutes les chutes sont pas mortelles. Hein. Il arrive parfois que tu chutes de 10 mètres hein, du haut d'une maison et tu te casses simplement les genoux. Bon, pour éviter cette situation, il suffit de trouver un ami-garde et de s'en servir comme base d'atterrissage. Voilà, ça amorcit la chute et ça marche de n'importe quelle hauteur. Bon, ses potes sont pas très contents, par contre. Bon, en parlant des gardes, bien évidemment, j'arrive pas à faire copain-copain avec eux. Dès que je m'approche, ils me poussent. C'est quoi ce délire? Attendez, lui s'est mis à l'écart. Eh salut, tu veux être mon ami? Ah, je crois que ça veut dire non. Puis les gardes, les gars, c'est tous les mêmes. Je veux dire, il y a des petits, il y a des gros. Ils ont tous la même tête, la même coupe de cheveux. Non mais attendez, c'est l'attaque des clones le truc quoi. C'est... Ils sont tous pareils, c'est des frères jumeaux. Ou alors, c'est comme je vous dis, l'attaque des clones. Hein. Je voudrais pas dire... Et regardez leurs yeux. Ah, vous allez pas me dire qu'ils ont pas fumé les mecs. Ah ouais, non mais là, carrément, les mecs ils se sont mis à la ganja sévère. Hein. Ils ont les yeux défoncés quoi. Normal. Bon, en parlant aussi des gardes, faut dire qu'ils sont très cons quand même. Ah bah oui, non mais je suis désolé, hein, je dénigre pas la profession, mais attendez. Ces deux gardes qui sont en train de surveiller l'entrée, ils sont là pour m'empêcher de passer justement, donc je vais essayer une première fois, je me fais repousser, j'essaye une deuxième, je vais me faire pousser, bravo les mecs, vous êtes forts, troisième fois, machin. Bon, il y a au bout d'un moment, faudrait arrêter de jouer au ping-pong, moi ça commencerait à m'énerver, je sortirais mon épée, je me buterais quoi. Les gars, faut s'énerver à un moment donné, faites preuve d'autorité, merde. Ah, voilà, ça y est, les mecs s'énervent, attention. Bon, on a oublié de vous dire que malgré qu'ils s'énervent, les mecs, c'est des vrais quiches au combat. Hein. Ah non, mais ils sont vraiment nazes, regardez, il n'y en a pas un qui va me toucher, je vais tous les buter, quoi. Non mais c'est normal, c'est la garde, je sais pas où est-ce que vous avez recruté ça les mecs, mais faut refaire les CV là, ça va pas. Et puis, il y a quand même des citoyens qui sont attachés à leur travail, hein. Je voudrais pas dire, mais regardez-moi ce pêcheur, j'ai beau le pousser, le mec il se rassoit au même endroit, il en a rien à faire, quoi. Ah non mais les citoyens dans cette ville sont vraiment bizarres. Hein. Jean-Guy d'ailleurs, envoie la petite compile là, qu'on a commencé, ouais celle-là. Allez, vas-y, on voit. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette compilation des réactions les plus bizarres des citoyens dans la ville de la Havane. Et on commence tout de suite avec deux pêcheurs qui n'ont pas de fil au bout de leur canne et qui ont espoir de pêcher du poisson. Bravo les mecs, sport fait vivre. On se retrouve aussi avec le magicien du marteau, c'est-à-dire que ce mec, en fait, t'as beau le pousser, il perd son marteau juste à côté de lui, mais il en fait réapparaître un de sa poche, hein, et ça marche à l'infini. Vous pourrez constater le petit tas de marteaux qui commence à s'accumuler juste à côté de lui. Et enfin bref, un vrai magicien. Là on se retrouve avec un mec qui a espoir de pêcher du poisson, hein, avec un pote qui lui montre où sont les poissons, mais l'eau est transparente, hein, et je crois pas qu'il y en ait. Bon courage. Là on se retrouve avec un mec qui balaye devant chez lui alors qu'il n'a aucune poussière, hein. Bravo, bravo. Là, on se retrouve avec une embrouille de muet, les amis. Ah oui, ça clash sévère. Hein. Je sais pas si vous comprenez le langage des signes, mais ça clash sévère. Hein. Bouh là là, ça c'était du clash. Oh là là, qu'est-ce qu'il t'a envoyé, mec? Elle répond à ça. Hein. Et là, on détecte un petit cochon, effectivement. Hein. On l'a cramé. Hein. On t'a cramé, mec. Non, c'est pas moi. J'ai un alibi. J'étais pas là. Et c'est ça, on t'a vu à côté des prostituées, là. Non, c'est pas moi. Et là, on se retrouve avec un mec qui fait genre qu'il est en train de lire et de vérifier les stocks alors que sa feuille est blanche. Lui, son métier, c'est de vérifier que les cartons ne tombent pas. Hein. Regardez-moi, il fait des allers-retours tout le temps. Les cartons et les tonneaux, d'ailleurs.
Bon courage, mec. Là, on se retrouve avec le dernier truc le plus what the fuck de cette ville. C'est-à-dire que c'est un perroquet. Mais qui est totalement increvable. Ah non, mais t'as beau faire ce que tu veux, hein. Le truc, il est immortel, quoi. Y a pas de problème, hein. Bon, j'en ai marre de cette ville de taré. On se barre en mer, c'est bon, allez, on se casse. Pourquoi on a notre équipage qui s'envole, là? Bah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un petit problème. Et le bateau? T'as garé où, le bateau? Bah, il me semblait que je l'avais mis là, hein, mais je sais plus. Et c'est quoi ce trou au milieu de l'océan, là? Bah, j'en sais rien, en fait. Oh, le bateau! Ah oui, d'accord. Ah oui, en fait, on a le bateau de David Jones. Oui, oui, tu sais, celui-là qui sort de la mer. Ouais, ouais, voilà. Oh, sympa, sympa, j'aime bien. Et d'ailleurs, je t'ai pas montré les nouvelles options de mon bateau. Ah ouais, je me suis mis un petit lecteur CD, là. Tu peux même changer la musique, tu peux l'éteindre et tout. Attends, attends, je te montre. On a besoin d'un peu de silence. Chantez. Allez, viens, assez chanté. Allez, les gars, que ça chante. Assez chanté, les gars. Et quelqu'un peut m'expliquer le délire avec la météo? Non mais franchement, sans déconner, je fais 100 mètres en mer, je passe du soleil à la tempête, quoi. Non mais, c'est, je veux dire, il y a un problème. Appelez Catherine Laborde, appelez, je sais pas, quelqu'un qui fait la météo, je sais pas, Evelyne Delia, mais il y a un problème, là. Elle s'est trompée quelque part, là. Ça va pas. Madame, monsieur, bonsoir. À petits pas, mais à pas compter, le temps va s'améliorer. Puis c'est quoi ce délire que quand t'es en mer et que tu commences un combat avec un bateau et qu'ils sont plusieurs? Eh ben t'as tous les bateaux qui se mettent en chasse sur toi, mais dès que tu vas commencer l'abordage d'un autre navire, eh bien c'est pouce, voilà c'est pouce. On arrête le combat les gars, je monte sur ce bateau là, on reprend juste après, hein. Donc en fait tu vas sur le bateau, tu fais tes petites affaires, tu tues 2-3 gardes, bim le bateau il est à toi, tu remets tout sur le tien, hop tu les as piratés en fait, et hop on reprend le combat avec les autres, comme si de rien n'était. Ah mais les mecs. Et puis je vous ai pas montré la puissance des grappins. Ah mais attention, ah mais il faut savoir que sur ton bateau t'as des grappins extensibles, regardez ce mec, regardez, j'envoie un grappin 500 mètres, tout va bien, la corde elle est hyper longue, et puis le mec il vit super bien, c'est... Bon et puis à force d'améliorer ton bateau et de réussir tout le temps tes attaques, tu vas te prendre un peu pour le king de la mer, hein, ah ouais, non mais carrément, jusqu'au jour où, voilà, ça va pas se passer comme prévu, parce qu'on va tomber sur un bateau quand même qui est plutôt pas mal, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le bateau qui est marqué en rouge sur votre map, il est en haut à gauche, et contre celui-là, bah voilà, on va se faire défoncer, quoi, c'est parce que ils sont trop forts, quoi, Enfin bref, moi j'en ai marre, c'est bon, j'ai eu ma dose, vous écoutez rien de ce que je dis, de toute façon cet épisode est terminé, vous n'avez plus besoin de moi en tant que capitaine, moi je me casse, je rends le chapeau, hein, je m'en...